Bonjour, nous sommes ici pour un chantier réalisé pour Bordeaux Métropole qui nous a contactés pour des problématiques d'affaissement des rails du tram. Ils se sont donc affaissés sur certains points. Donc nous, Temsol, nous avons proposé une solution d'injection de résine expansive qui va permettre dans un premier temps de venir conforter le sol qui s'est affaissé sous les rails du tram et dans un second temps de même relever la structure des rails et de les remettre de niveau pour permettre une circulation du tram sans risque de dévoiement et que l'activité du tram puisse reprendre normalement. La première étape, c'est de percer le sol. Donc on va percer à des profondeurs qui sont déterminées en amont. Une fois qu'on a atteint la profondeur de percement, on vient glisser des cannes d'injection, donc qui sont des cannes cuivrées, creuses, à l'intérieur desquelles, par la suite, on viendra injecter la résine expansive. Comme je disais précédemment, on vient injecter la résine expansive dans la canne qui, une fois qu'elle interagit avec le sol en profondeur, va catalyser. Et le fait de catalyser, ça va lui permettre d'expandre et puis de durcir pour créer vraiment un socle rigide dans le sol, voire de venir relever une éventuelle structure. Les contraintes principales sont que on doit tout d'abord stopper la circulation du tram. C'est des travaux qu'on fait généralement de nuit. Là, il se trouve que la voie a été coupée pour une courte période cette semaine. Donc nous, ça nous permet aussi d'intervenir en plein jour, ce qui est quand même un confort pour nos équipes et puis pour le suivi de chantier aussi.